Ah, je vous avais pas vu. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un micro-trottoir exceptionnel. On va demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent du mot fragile et du mot partir. Vous me suivez? C'est maintenant. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, pas de problème. Excusez-moi, est-ce que je peux vous déranger? Bah non. Ah, Alors moi, c'est Stanislas Ezekiel. Eh bah bonjour, moi je m'appelle Kevin, je viens du 9-3, bâtiment 42. Si t'es blonde à forte poitrine, je te veux bien. Mon 06, vous l'afficherez. Hein. Je m'appelle Solane, j'ai 17 ans, je suis en fac d'art et je suis rigolote et maladroite. Je cherche une question philosophique qui nous correspond finalement. Pourquoi tu veux savoir mon blaze en fait? Genre t'es un keuf ou ça se passe comment? Et vous savez, mon travail est très important pour le bien-être de l'humanité, et encore une fois, du savoir intellectuel de chacun. À quoi ça vous fait penser quand vous entendez le mot fragile? Fragile. La femelle. La fragilité, c'est des fragments des éclats dans votre cerveau qui font que vous êtes ce qui font votre personne, quoi. Souvent, on l'emploie avec un terme péjoratif. On qualifie quelqu'un de fragile par rapport à ses actes ou sa sensibilité. Je pense que fragile, c'est pour tout. Un arbre, c'est fragile. Tout peut être fragile. Imaginez que la fragilité, c'est quelque chose qu'on casse, mais finalement, c'est aussi quelque chose qu'on ressoude et qu'on répare. À quoi vous fait penser le mot partir? Partir. Oh, bah ça... Moi, je prends... Oh putain, plein de choses, vous voyez, un peu. Moi personnellement je suis parti jusqu'ici, je pars aussi. Non, on peut rester au même endroit toute sa vie et finalement avoir beaucoup plus voyagé que certaines personnes. Pas mal. Partir. Hein? Partir, s'il vous plaît. Quoi partir? Bah ok, je pars si tu veux. Hein. Bah... Comme ça, je le prends en mode de verbe, partir en vacances. Mais sinon, je pense que c'est une forme d'émancipation. On peut partir de son pays pour quitter la misère ou partir se ressourcer quelque part. Tu prends Bobonne et les gosses dans la 4 chevaux et puis tu pars. Tu roules, droit devant toi. Je sais pas, c'est qui dit ça déjà? C'est Gandhi qui dit nage droit devant toi. Je ne suis pas là. On peut partir intellectuellement. Vous voyez, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Non, pas du tout. C'est Gandhi. Je sais pas, je connais pas ce mec-là. Où est-ce que vous pensez être dans 5 ans? Où je pensais être dans 5 ans? Je sais pas. Peut-être à l'école? Encore? Dans 5 ans, écoutez, certainement pas ici. Parce que l'hiver va arriver et je vais avoir un petit peu froid. Honnêtement, derrière un petit cul. Dans mon 15 mètres carrés, très spacieux, à Paris, avec mon chat Titoun. Dans un boîte à Ibiza et tout ça, piña colada, tout ça, boire des bières sur la plage et tout. Vous savez, je suis ému par mon petit chat comme ça. Genre la Merco, tout ça. Quoi, mettre la daronne à l'abri, quoi. Merci. Bonne journée. Donc beaucoup d'émotions dans cette interview, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. C'était un plaisir. Bonne journée. Ouais, vas-y. Donc, comme vous pouvez le constater, c'était un micro-trottoir exceptionnel. Nous avons pu enfin comprendre la résonance du mot fragile et partir. Et donc, je vous remercie pour votre fidélité. Casse-toi, fragile ! Coupe ! Comment ça marche, cette merde ? Ah ! Noël ! Retourne la caméra ! Ah ! Oui, pardon. Alors, caméra 1... 2, 3. Alors bienvenue dans un micro-trottoir exceptionnel. Bienvenue dans notre émission spéciale Noël avec des invités de Noël exceptionnels qui serviront de dinde farce. Mais Noël, pourquoi tu fais ça? On passe même pas à la télé. Marie, t'es pas très sympa parce que j'ai été virée de mon travail et en plus c'est Noël. Non, mais non, chouchou, attends, non. T'as toujours eu plus de cadeaux non, que moi, Noël. Non, hein. Chouchou, t'as toujours été non, mal plus fragile. Non, excuse-moi, je voulais... Je cherche un jeu. Non, mais... Bonjour et bienvenue dans un micro-trottoir exceptionnel. Non, je déconne. Aujourd'hui, le summum de la télévision française, l'apothéose du journalisme, mon émission spéciale Noël.
Quoi, Marie? Non, non, j'ai pas d'idée pour les deux autres, Maria. Je prends celui-là. Regarde, t'as fait deux semaines qu'il faut celui-là. Voilà. Alors, mon poussin, on a bien dormi, on a fait un gros dodo. Maintenant, on va être un gentil garçon et on va faire exactement ce que je veux. Et je te montrerai les jouets. J'ai pas la lumière, hein. Bon, allez, on met deux. Merci pour moi. C'est bon, Marie, tu peux le détacher. Il ne s'enfuira pas, celui-là. Tu vois, il y a une batte juste là-bas. Et dans cette salle, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux aller t'amuser. Quant à toi, va t'occuper des autres. Si tu veux de l'argent, j'en ai. Ta gueule! Je te donne. Si tu veux de l'argent, je te. Ferme-la. Ne regarde pas! Je sais. Qu'est-ce que tu nous veux? Ta gueule! Déjà, je savais que ça fait petit peu. Ta gueule! Ferme-moi! J'ai de l'argent si vous voulez. Vous savez, professeur, ça paye pas trop, mais. Non mais, je vous donnerai mes vacances s'il faut. Ferme-la! D'accord, c'est bon. Vous allez comprendre ce qui vous arrive. En attendant, ne bougez pas. Ferme-la! J'ai donné l'argent. Ta gueule! Mais il y avait une porte ici. Mais vous êtes là depuis combien de temps? Vous avez l'air vaudé gelé là. Je sais pas, ça fait. Je suis rentré et je sais plus combien de temps ça fait. Ouais. On est là. Bah ouais, mais j'étais bien pourtant, genre. Je comprends pas, il faisait nuit d'un coup et après je me retrouve ici et tout. Je comprends plus rien là. Et toi? Moi, c'est lui qui m'a kidnappé. Ouais. Mais t'es qui toi? Le clapeur. Roland, je vais s'occuper d'eux. On les nique! Ok. Allez. Tu joues? Qu'est-ce que tu fais? Mes poussins. Alors, si vous voulez sortir, il va falloir jouer un petit jeu. Choisissez quelqu'un qui doit mourir, et comme ça, vous pouvez partir. C'est simple, non? Vous savez, moi, de toute façon, j'ai accepté la mort depuis bien longtemps. Je vais partir tranquille. Les gars, ils viennent vraiment vous jeter un flingue, là. Pourquoi ils ont fait ça? Il nous a dit de tuer quelqu'un, clairement. Comment ça, tuer quelqu'un? Il nous donne un flingue avec une balle, tu veux qu'on fasse quoi? Il nous a dit, tenez, c'est pour vous amuser, les enfants. Ok, alors on tue toi. Mais pourquoi moi? Hein, monsieur qui est là, il a dit qu'il voulait qu'il s'en foutait de la mort. Ah, c'est vrai ça. Ok, quand j'ai dit ça, c'était très spontané. Hein. Je sais que t'as dit ça. Non, je voulais pas dire ça. Mais je sais pas si je peux le faire. Tue-le, mais si tu peux le faire, je suis sûr que tu le. Mais je le connais pas, moi. Mais on s'en fout, justement, tu le connais pas. Tue-le, personne ne saura qu'il est là. Tue-le, et nous on s'en va. Personne ne saura qu'il est mort. Tue-le. Le crime n'est pas tout.
solution. Ta gueule, pense en foutu. Mais ta gueule! On entend, y'a plus personne. Ah, si, à toi.